Hey, salut à vous, mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, pardon, j'ai bafouillé. Donc, je vous fais un petit unboxing d'un casque. Bon, personnellement, moi, le casque, je l'ai déjà ouvert pour voir s'il y avait rien d'abîmé dedans. Donc, il n'a rien. Donc, je vais vous faire l'unboxing pour vous. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Et vous me dites aussi ce que vous en pensez. On se retrouve tout de suite. Donc re les amis, donc voilà, nouveau casque, ça c'est pour la petite Xbox One. Et peut-être de temps en temps pour PC, je sais pas encore. Mais voilà, en ce qui consiste, le casque. Vous pouvez le voir, je l'ai pris vert, couleur de la Xbox. Voilà. Il se présente comme ça. C'est un casque qui vient de chez Action, je tiens à le préciser. Pas très cher, environ 18 euros, 18-19 euros, pas trop cher, c'est raisonnable. Voilà, pour voir, c'est un casque gaming. Donc, on va procéder tout de suite au unboxing. Comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert pour vérifier. Voilà comment ça se présente. Hop, voilà. C'est un casque filière. Voilà. Je donne un adaptateur pour l'adapter au PC. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, sûrement l'outil vrai qui est caché. Donc, le petit adaptateur qu'on peut le voir. Prise micro et prise casque. Voilà. Ici, sur le fil du câble du casque, on peut remarquer qu'il y a une prise USB. Alors, la prise USB, elle sert à allumer les LED sur le casque. Parce qu'il est éclairé ce casque. C'est plutôt stylé. Je trouve plutôt sympa. Nous avons la prise jack. Donc la fameuse prise jack que vous connectez à la manette ou que vous connectez à cet embout-là, puis au PC. C'est un câble renforcé. Ensuite, ici, on peut voir que on a le réglage volume. Hop, hop. Le mute du micro. Donc, en bas, en haut. Voilà. Toujours un câble renforcé. Voilà comment se présente le casque. Je vais le poser comme ça sera mieux. Voilà comment se présente le casque. Hop. Donc c'est ici, quand on branche l'USB, c'est rétroéclairé là. Et si je me trompe pas, le micro aussi. Donc plutôt stylé, le petit micro. Hop. Voilà. Là, c'est confortable. C'est de la mousse. Vous pouvez voir là. Les finitions sont plutôt propres, il n'y a rien à dire. L'intérieur, je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est vert, c'est assez confortable. Voilà, on se retrouve tout de suite, je vais l'allumer, je vais vous faire montrer comment il est allumé. Donc les amis, voilà, on se retrouve, j'ai branché le casque, et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, micro, je l'ai mal mis là, le petit micro, petite LED éclairée. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas trop gros et plutôt stylé. Donc voilà, il est plutôt confortable. On n'entend pas grand chose, il est assez insonorisé. Donc si vous voulez vous le procurer, attends, je vais le retirer. Si vous voulez vous le procurer, désolé pour la lumière. Si vous voulez vous le procurer chez Action, en ce moment il existe chez Action, il est en rouge, en bleu et en vert. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris le vert parce que je voulais le prendre pour ma Xbox. Ça ressort avec les couleurs de Xbox, mais vous pouvez le prendre en bleu pour la PS4 ou en rouge pour votre Nintendo Switch. Vous voyez, c'est tout à fait. Et j'ai oublié de vous dire, il est compatible sur PC, Xbox et Nintendo. Donc voilà, c'est un casque qui fait toutes les plateformes, il est vraiment stylé. Je l'ai testé, le son il est propre, il est puissant et franchement très insonorisé. Une fois qu'on l'a sur la tête, on est immergé. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter les amis. Si vous voulez un casque pas cher, un bon casque gaming pas cher, franchement la qualité elle est plutôt pas mal. Donc voilà. En se disant à la prochaine, portez-vous bien, salut, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut!